Donc là, on rentre directement dans le vif du sujet parce que pour moi, on peut pas parler des plantes sans contextualiser qu'est-ce que c'est une plante en fait. Et on a trop tendance à penser qu'une plante, c'est quelque chose de coupé du reste et on utilise un espace. Et alors qu'en fait, une plante, c'est un élément parmi un organisme beaucoup plus global. Et donc en fait, c'est ça qu'on appelle finalement un biotope, hein. Mais une plante, c'est relié à un biotope et donc c'est complètement dépendant de tout ce qu'il y a autour et tout ce qui fonctionne autour. On a du mal à le voir parce que forcément dans la vie, on a cet aspect monoculture là que certains trouvent un peu moribond. Bon, mais il y a effectivement un gros manque de biodiversité et on a créé un déséquilibre extrêmement important. Ce déséquilibre-là, c'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que la plupart de ces éléments-là sont soit absents, soit en déséquilibre et expriment des choses qu'on peut appeler pathogènes, donc qui génèrent des maladies, qui posent problème. Et en fait, si on regarde ce que ça veut dire maladie et qu'on découpe maladie, je préfère moi le découper de cette manière-là. Le maladie, en fait, ça nous permet de comprendre et de pas se retrouver à subir systématiquement les problèmes. Est-ce que quand on traite du mildiou avec du cuivre, on règle le problème du mildiou? Non. On ne fait que reporter le problème et le décaler. Donc c'est-à-dire que on a une manière de fonctionner et de travailler le vivant qui est symptomatique. On a un symptôme, on traite. Mais on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que c'est qui induit ce symptôme-là. Ça, c'est une base, je pense, une mauvaise compréhension du vivant qui est en permanence en recherche d'équilibre. Je ne suis pas là en train de sanctuariser la nature en disant « il ne faut surtout rien faire, ça s'équilibre tout seul ». Quoique. Mais le problème, c'est que ça met très longtemps à s'équilibrer, certaines fois, et qu'on a créé un tel déséquilibre que il faut absolument qu'on intervienne pour continuer à avoir nos cultures, quoi. On ne peut pas laisser faire ça. Mais malgré tout, si on regarde les choses sous cet angle-là, on va pouvoir se permettre de progresser dans notre manière d'interpréter les maladies et le vivant. Par exemple, alors du coup, allons directement sur ces champignons-là. Ces champignons-là, l'ESCA, faut essayer de caractériser pour comprendre une maladie, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette maladie. Hein, si on a un insecte et qu'on a du puceron sur nos pouces, si on tape sur le puceron, on ne comprend pas ce qu'il vient faire le puceron. Alors que le puceron, c'est typiquement, par exemple, un insecte qui vient quand la sève, elle est trop chargée en sucre. D'accord? C'est-à-dire quand il y a un excès d'azote, en quelque part, dans la croissance. Donc, en quelque part, si on prend un peu de recul, le puceron vient enlever cet excès d'azote dans la croissance. Traiter le puceron, c'est évident. À certains moments, il faut le faire. Mais est-ce qu'on règle le problème du puceron? Non. On n'a pas réglé le problème de déséquilibre de la plante, de sa sève et de la qualité de sa sève. Donc, vous voyez, on marche sur des... peut-être des solutions qui vont être de plus en plus fines et de plus en plus précises. Si on ne se pose pas la question, on ne trouvera jamais. Vous me direz, pour le mildiou, ça va être un peu compliqué. Posons-nous des questions pour les maladies du bois. Pour comprendre les maladies du bois, disons donc qu'il faut essayer de comprendre les champignons, puisque les maladies du bois sont reliées à des champignons. Alors, mettons l'ESCA. Alors bon, l'ESCA, selon... l'IFV, c'est 4-5 champignons, et puis en fait, plus globalement, 25 champignons, donc un espèce de cortège de champignons. À chaque fois qu'on analyse, on a tendance à trouver des champignons différents. Des fois, on analyse, on trouve 2 champignons, 3 champignons, qui pourraient être responsables de la mortalité. Les Suisses, eux, ils en trouvent 60. Alors, je sais pas, ils regardent peut-être avec des microscopes un peu plus puissants, je sais pas. Mais en tout cas, la question, c'est qu'est-ce qu'on cherche et pourquoi on le cherche ? Les champignons, on peut les découper en trois types de champignons. On a les champignons qui sont des champignons saprotrophes, ou saprophytes. Saprophytes. Les champignons saprophytes, sapro c'est la mort, et puis phyte c'est le vivant. Donc ça mange, c'est les plantes. Donc ça mange les plantes mortes. Donc en fait, les champignons saprophytes sont les champignons spécialisés dans la décomposition des bois morts. Donc ils mangent les bois morts. Dans ces champignons-là, la plupart des champignons responsables de ce syndrome de l'ESCA sont des champignons dits saprophytes, qui sont des champignons spécialisés dans la décomposition des bois morts. Alors on verra ça que caractériser qu'est-ce que c'est un bois mort, c'est pas si évident que ça en fait. C'est pas parce qu'un bois conduit la sève qu'il est vivant. Hein? Alors là, on va voir, on commence à rentrer dans des choses un peu plus précises.
Après, on a des champignons qui sont des champignons qui mangent du vivant, qui sont des champignons biotrophes. Alors, les biotrophes, vous en connaissez un sacré paquet, hein, puisque c'est contre eux que vous luttez la plupart du temps. Ces champignons biotrophes, vous pouvez m'en dire quelques-uns ? Le mildiou, ouais, le mildiou s'en est un. Le mildiou s'en est un, donc, bah, ok, oïdium, botrytis. Bon. Et sur le bois ? Hein ? L'excoriose, ouais. On en a d'autres sur le bois. Ben, on a des champignons qui s'attaquent à la fois au bois. Romain, tu me diras, l'oïdium, il s'attaque bien un peu au bois des fois. Mais le black rot, ok. Bon. Et puis, en fait, on a quand même des champignons un peu à la fois biotrophes et saprophytes. Alors, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Mais ces champignons-là sont rangés plutôt dans les saprophytes, mais sont capables de manger du vivant. Alors, justement, là, il y a des champignons, ces champignons-là, il y a une famille qui s'appelle les agarics, ou alors, après, il y a les félinus, et il y a aussi Fomitiporia. Bon, hein, on pourrait en lister plein. La question, c'est, qu'est-ce qu'ils font ces champignons-là ? Ils sont capables de manger à la fois du bois mort et du bois vivant. Alors, vous en connaissez un, hein, champignon comme ça, qui est de la famille des agarics, que vous appelez le pourridier, qui est dans le sol, qui est capable de manger du vivant, puisqu'en fait, il est capable de faire mourir les plantes, mais il est aussi capable de manger du mort, puisque quand elles sont mortes, il arrive à décomposer le système racinaire, à manger le système racinaire. Ce champignon-là, c'est le pourridier. En fait, pour de vrai, il s'appelle l'armillaire. Armillaire couleur miel. Bon. Cet armillaire couleur miel, ça fait des grappes de champignons, des touffes quoi, de champignons qui ont une tige, une corolle. Et donc, ça fait des touffes comme ça de champignons avec plein de champignons. Et quand ils pourrissent, ils se mettent à devenir visqueux, gluants un peu, et disparaître dans le sol. Cet armillaire couleur miel, donc les pourridiers, en fait, c'est une espèce, on pourrait presque parler d'une famille, mais c'est pareil, encore une fois, quand on dit pourridier, on ne caractérise pas le problème. Donc on dit, je traite le pourridier, en fait, vous traitez quoi ? Est-ce que vous traitez un champignon ou vous traitez un problème, un symptôme ? Vous voyez, on est encore dans l'approximation. Comme pour l'ESCA, si on cherche à trouver un produit contre l'ESCA, on trouve un produit contre 60 choses différentes ? C'est bizarre. C'est pas possible. Donc on ne peut pas arriver à trouver quelque chose avec un spectre aussi large, c'est compliqué. Donc on n'arrive pas à trouver. L'armillaire couleur miel, c'est l'organe le plus gros, le plus lourd, le plus grand qu'il y a sur la planète. Étonnamment. Vivant, hein, je parle. En Australie, ils ont trouvé une souche de champignons armillaires qui fait plus que 900 hectares. Un champignon. 900 hectares, bah, vous imaginez la taille et le poids qu'il fait le machin. 900 hectares, c'est gigantesque. Mais un champignon qui court dans le sol, qui se développe dans le sol sous forme de mycélium, hein, parce que en fait ça, est-ce que c'est le champignon ? Non, c'est le sexe du champignon. Enfin, c'est l'organe de reproduction du champignon. Donc le champignon, c'est les filaments qu'il y a dans le sol qu'on appelle mycélium. Et au bout de ce mycélium, là, on a à chaque fois des petits organes des usines à fabriquer des acides qui décomposent la matière organique. D'accord ? Ils projettent des acides qui décomposent la matière organique, qui la rendent soluble et ils l'absorbent. Donc le champignon, c'est plutôt cette partie-là du dessous, qui court dans le sol, qui se développe dans le sol et qui va dégrader les matières. Ce champignon-là, agarique, c'est un peu, si on faisait l'analogie, un peu peut-être je me ferais engueuler si je disais ça par des scientifiques, mais on pourrait faire l'analogie avec les maladies nosocomiales dans les hôpitaux. On stérilise, et la seule et le dernier rempart pour relancer le vivant, c'est les maladies nosocomiales. En quelque part, les maladies nosocomiales, c'est un peu dur à entendre, mais c'est, on l'a tellement aseptisé que c'est la maladie qui vient relancer la pourriture dans l'hôpital, qui vient relancer la vie dans l'hôpital, parce que la pourriture, c'est le début de la vie. Il y a tellement plus de vie que c'est le dernier rempart de la vie. C'est particulier. Et donc, dans le vivant, chez les champignons, le vautour, il y en a un dans le sol qui s'appelle
larmilaire couleur de miel. Donc c'est pour Idier. En quelque part, alors, cherchons à comprendre. Je vais faire une petite analogie avec quelque chose qui s'est passé dans le parc Bordelais, là, il y a quelques années. Dans le parc Bordelais, il y a... c'est un sol qui est relativement peu capable de retenir des éléments, assez sableux. Et donc, il y a un charme qui pousse dans une pelouse. Et cette pelouse, elle est hyper entretenue, vous imaginez, parc Bordelais, énormément de fréquentation, les gens viennent se détendre. Donc c'est tondu, 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 les feuilles sont ramassées, ramassées, ramassées. Donc le charme, lui... Il se nourrit de quoi? Au bout d'un moment, comme le sol s'appauvrit et que la plupart des plantes sont ce que l'on appelle autotrophes, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de ce qui tombe sur le sol et de la décomposition de leur propre système racinaire. Hein. On peut considérer d'ailleurs que les chevelus racinaires, c'est un peu comme un feuillage souterrain. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement continu du chevelu racinaire qui crée une aggradation du sol, qui crée une perméabilité dans le sol et qui maintient un peu les taux d'humus dans le sol. Et donc là, c'est quand même tout ça à chaque fois exporté. Il n'y a plus que le système racinaire. Donc le sol s'appauvrit, s'appauvrit, s'appauvrit. On aseptise, on aseptise, on aseptise. Et l'arbre se met à devenir malade. Et on trouve des fructifications de champignons sur les racines. Donc les racines de l'arbre sont très étalées. Et là, des fructifications se mettent à sortir. Et l'arbre fait ce que l'on appelle une descente de cime. Il y a la cime qui meurt. On a des grosses branches qui meurent. La personne en charge du parc Bordelais à l'époque avait connaissance de l'action de ce champignon-là. Et connaissance d'un fait, c'est que ce champignon-là ne supporte pas la concurrence. C'est ce qui me fait dire que la maladie nosocomiale, c'est pareil. En fait, la concurrence, c'est pas son truc. Il n'y en a pas dehors. Hein. Il y en a dehors, mais elle s'exprime jamais. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce champignon-là, lui, il vient parce que le sol, il est tellement vide, tellement mort, qu'il n'y a plus rien pour relancer le vivant. Et c'est à ce moment-là, ce champignon-là, il est là peut-être depuis 2000 ans. Il attend, sous forme de spore, de ne plus avoir de concurrence pour faire quoi? Décomposer le système racinaire de ce qu'il y a en place, dernier rempart pour la vie, le faire tomber au sol et relancer un cycle vertueux d'aggradation du sol pour relancer le vivant. C'est ça sa place, ce champignon. Donc, ils ont épandu 5 cm de compost et 15 cm de bois broyé, qu'on appelle BRF couramment. Et croyez-moi ou pas, mais en 2 ans, ce champignon a arrêté de fructifier. Et l'arbre, aujourd'hui, est encore vivant et il est reparti dans une nouvelle dynamique. Vous comprenez que là, on a cherché à comprendre qui c'était le champignon. Et plutôt que de traiter le champignon, de faire couramment ce que je vois, on arrache, il faut enlever la moindre racine pour surtout pas que le pourridier continue à se développer. On a cherché à comprendre qui était ce champignon-là. Et plutôt que de traiter ce champignon-là, on a cherché à faire en sorte de comprendre et d'agir en fonction de ce que l'on avait compris. Et donc, tout doit être interprété de cette fonction-là si on ne veut pas répéter indéfiniment les mêmes erreurs. Si on prend pas ce recul-là, on risque de continuer à créer les mêmes erreurs. Il y a un troisième type de champignon qui est quand même très intéressant pour nous, surtout quand on veut faire du bon vin. Ce sont les champignons dits mycorhiziens. Les champignons mycorhiziens, ce sont des champignons qui sont incapables de se nourrir par eux-mêmes. Ce sont des champignons qui sont absolument obligés de se nourrir avec la sève élaborée fabriquée par les plantes. Donc, ce sont des champignons qui se mettent en symbiose avec un système racinaire de plantes et qui pompent les minéraux dans le sol. Donc, ils pompent les minéraux, l'eau et les sels minéraux, sous forme de sève brute, le donnent à la plante qui, elle, se retrouve galvanisé par cet excès d'eau et de sels minéraux, à fabriquer plus de photosynthèse et donc des sucres qui vont redescendre à la plante et qui vont aller jusqu'à nourrir le champignon en échange. C'est un échange gagnant-gagnant entre la plante et le champignon. L'intérêt de ces mycorhizes-là, c'est que dans un sol, une plante mycorhizée a un système... on dit que le champignon mycorhizien a un système 1000 fois plus performant que la plante pour absorber l'eau et les sels minéraux. 1000 fois plus performant. 1000 fois plus performant parce que quand on regarde vraiment la manière dont se développe ce système racinaire, des fois c'est tout petit, tout compact, hein, c'est extrêmement fin, mais en fait, ça couvre complètement, ça englobe complètement toutes sortes d'éléments, ce qui fait que les plantes arrivent à absorber, grâce à eux, davantage de minéraux. Ça nous intéresse pour faire du bon vin, pourquoi? Parce que c'est ça qu'on appelle le terroir.
ce qu'on appelle le terroir, c'est le lien au sol. Et donc, si vous avez des mycorhizes, vous multipliez de manière exponentielle le lien entre votre plante et le sol. Et ça, ça va se sentir directement dans votre vin. C'est ce qui va créer cette fameuse minéralité. Et au-delà de ça, ça permet aux plantes d'être résistantes davantage aux maladies, à la sécheresse, à, enfin, plein de choses, quoi. La question un peu complexe que l'on a à résoudre, et l'équation un peu complexe qu'on a à résoudre dans la vigne, c'est que on n'a pas un milieu extrêmement favorable aux mycorhizes. Parce qu'on a, on n'amène plus de matière organique à décomposer. Il n'y a plus de lignine qui retourne sur le sol. On est dans une dynamique de dégradation des sols qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est compliqué. Donc pour éviter ça, forcément, on travaille avec l'enherbement, à travailler, à essayer de maintenir cette fertilité-là. Mais pour les mycorhizes, c'est quand même pas l'idéal, cette manière-là qu'on a de fonctionner. Les mycorhiziens, ils connectent aussi des plantes entre eux, donc si on a quelque chose d'autre que la vigne, et cette plante, elle a déjà le milieu comme un rosier, elle peut donner cette information en fait dans les mycorhizes et donner à la vigne qui peut commencer de se protéger. Je vois ça chez moi, ça commence de se mettre en place, donc j'ai le milieu, mais il s'arrête en fait. Donc, parce que j'ai plein d'autres plantes qui sont déjà malades avant, et grâce au mycorhizes, en fait, ils communiquent, donc c'est bien important d'avoir ça. Mais ça, c'est vrai que donc c'est des connaissances là qui viennent d'être mises là il y a 3-4 ans là aux yeux du public avec les films de Peter Wohlleben, d'Ernest Zürcher qui sont d'ailleurs des forestiers étonnamment hein, du coup qui ont réfléchi et travaillé sur ces questions de mycorhizes là. Attention quand même de pas trop. Enfin, c'est bien, c'est sûr, ça va dans ce sens-là, mais pour arriver à aller vers ça, c'est ce que je dis. Par rapport à la gradation et la dégradation des sols, c'est pas parce qu'on a des plantes qu'on a des mycorhizes et qu'on a un lien entre les plantes. C'est beaucoup plus complexe que ça et c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place parce qu'on a énormément dégradé les sols. Rien qu'en les travaillant, en fait, on dégrade les sols. C'est compliqué. La viticulture et d'ailleurs toute l'agriculture est dans une impasse quant à la gestion des sols aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que même en bio, on a tendance quand même à vachement travailler les sols. En travaillant les sols, on minéralise, c'est-à-dire qu'on transforme très rapidement la matière en matière nutritive. Et quand on fait ça, en fait, on n'a pas tendance à aggrader les sols, on a plutôt tendance à accélérer la dégradation. C'est ça qui est paradoxal. Le fait de travailler et de remettre à nu le sol, bon, il y a l'érosion, mais en plus de ça, le fait de faire travailler certains types de micro-organismes en enfouissant la matière, on a tendance à faire travailler des organismes qui ne sont pas là pour structurer le sol, qui ne sont pas là pour aggrader le sol, mais qui sont là pour décomposer une matière. Et donc, ça rend disponible tout d'un coup des substances nutritives, mais ça ne stocke absolument pas dans le sol et ça ne construit pas la fertilité du sol. Donc ça, c'est un peu compliqué. Bon, on y reviendra peut-être, ce n'est pas le programme. Bon, concentrons-nous un peu plus sur la plante. Hein. Revenons à nos moutons quand même. Bon, on a contextualisé, c'est quand même intéressant de se dire ça parce que on comprend un peu mieux quand on regarde ça, la place des champignons en fait. La place des champignons, bah pour finir, parce que quand même j'ai pas fini tout à fait, la place des champignons c'est de dégrader les matières organiques pour, en quelque part, enfin pour. Et ça aggrade les sols, ça permet de fabriquer de l'humus stable. C'est-à-dire que 100% des sols fertiles que l'on a autour de nous ont été construits par la forêt, ont été construits par les arbres et par la dégradation de la lignine et des matières organiques. Sans la dégradation et sans les arbres, on n'aurait pas de sol fertile sur la planète. Ce serait compliqué. D'accord ? Et donc, c'est les arbres qui créent la fertilité des sols. C'est un peu compliqué, ça. De sortir de ce schéma-là, on se retrouve avec quelque chose de complexe. Bon, ça, y a d'autres choses que les arbres, hein, mais malgré tout, c'est la lignine qui est le principal constituant de la fertilité des sols et la décomposition de la lignine. Et les spécialistes de ça, c'est les champignons. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de ces champignons-là qui sont aussi responsables de la dégradation de bois que l'on aurait bien aimé conserver. Il n'y aurait pas ces champignons-là, on aurait des mètres et des mètres et des mètres de bois qui couvrent nos sols. Et donc, du coup, il n'y aurait pas de vie possible, en fait. Vous comprenez bien que c'est complètement relié au vivant.